Je déteste ce jeu, c'est officiel. T'es en train de me dire que là, si je fais ça... Ah, le jeu avait vraiment une façon bizarre de gérer les sauts à l'époque, hein. I say, what's going on? And I say, yeah. Et adieu la sourde oreille. Ah! Nani! Oh merde. Je suis sûr que ce saut est faisable. Y'a un croco, les gens! Des bottes en peau de lézard, depuis tant que j'en rêvais. Non, en fait, je pense pas que ce soit possible. Nope! Pas assez. Y'a pas me manger mon croco! Y'a un truc que je trouve bizarre actuellement dans le jeu. T'es là-haut? Et pourquoi il y a une peinture? Regardez les gens! Il y a une peinture, et quand tu passes en mode nord, en mode classique, il n'y a pas de peinture. What? Je pense qu'il va y avoir quelques patchs sur le jeu. Ah, ça a l'air chouette ici. J'ai rien dit, ça a l'air chiant comme la mort. J'ai commencé à croire que toutes les textures du jeu ont été refaites par IA en fait. Ah, c'est une photo. Faites pas chier Lara.
Zen le ex. Oh, il y a un soin là-bas. J'ai maintenu la touche de marche pendant le saut. Putain. Je serais pas étonné d'avoir un succès genre « Vous semblez détester Lara ». Ouais. Batman, t'es où? Happy Bird, t'es où? Waouh, nouvelle porte de Thor. Alors attendez, non, c'est ici. J'avais vu un streamer, enfin plutôt un youtubeur faire un truc ici. Nous allons tester sa technique. Popo! Ah! Merci les caméras! Ça m'aide beaucoup là. I see you, Batman! En fait, tu sais, je vais attendre. Putain, elle est juste devant! C'est pas grave. YOLO! Près du but.
What? Je suis pas mort? Hein? Quoi? Quoi ça? J'ai rien compris, les gens. J'ai juste fait un truc au hasard, je me suis dit... Déjà, intérieurement, je me demandais s'il fallait pas mettre un truc en dessous de base. J'ai pas compris, là. Est-ce que c'était ça que je devais faire ou pas? Maintenant que c'est fait, je dois faire quoi? Ah! Et non, je sais pas c'est quoi une ordalie. Vous excuserez mon manque de culture, ok? Ah, le con. On aime tirer. On aime tirer beaucoup de choses. Et le petit bonhomme en mousse. Pas mal de moisissures sur les murs. Ouais, comme ta chambre, Lord. Ouh. Il y avait pas de moisissures dans la version normale. Donc tu es pardonné. Est-ce que c'est le saut de l'impossible? Yes! Salut, micro-pénis, comment vas-tu? On a eu une clé, mais je sais pas à quoi sert cette clé, donc... Rassurez-moi, je vais pas me retaper l'électricité, hein. Quelle est la solution sur le comment du pourquoi je pouvais réussir à passer sans me faire électrocuter?
Ninja! Des munitions pour la mitraillette là-bas. Parce que ça marche encore ce truc. Bien sûr, faudrait que monsieur m'attende en bas. Ah non, je vais te sauvegarder ici! Il est où cet enfoiré de français, là? Le Frenchie, t'es où? Eh, hey, le mangeur d'escargot, là! Ah. Hé, hey, le français, mange tes morts! Voilà, il est parti. Il me cassera plus les couilles. Mangeur de grenouilles et d'escargots! On ne peut pas lutter face à la physique des boobs de Lara. Je peux retenter du coup. Non, ça marche pas. What? Il y avait pas une technique à l'époque parce que quand tu faisais laisser tomber, que tu pouvais quand même te rattraper en chemin. La France ne peut pas gagner face aux boobs de Lara! Oups. Oh, oh. Je sais pas, mais je sais plus. On le saura jamais. On a marre de ces Flappy Bird là, hein. Attendez, je suis descendu, mais il va falloir tout remonter au bout d'un moment, non? Bah oui, ex! Vous croyez quoi? Que t'allais avoir droit à une barre au chocolat? Oui. Bon. Damoclès. Bien les gens, on a même pas 3 heures de jeu. J'ai déjà 42 sauvegardes. En vrai, j'aurais pas fait long feu sur la version PlayStation 1 du jeu. Mais moi, je suis quelqu'un. Je suis un sauvegardeur compulsif, moi. Je suis sûr qu'il y a moyen de monter là-haut. C'est obligé. Apparemment, non. L'homme qui sauvegardait plus vite que son ombre. Ça pue un peu cette histoire, non? Ça pue grave même.
Ah. Oh! Oh! Mais putain, ce jeu, il est radin en fait en mune, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de jouer à Resident Evil, mais avec des boobs. Bon, c'est mort, on n'y arrivera pas là. Ah! Ah! Je comprends le Damoclès, du coup. Genre, ça m'a fait des dégâts. Ma gueule. Par contre, le bruit que ça fait quand ça tombe, c'est dégueulasse. Alors, je sais que t'es un petit peu blond, mais quand même. Ah, mais en plus, elles viennent vers moi! YOLO! Ah ouais, elles viennent vers moi, putain. Ah! Ne subissez aucune blessure d'épée dans la chambre! Vous avez vu ce génie? Ce génie! Ce dieu de l'esquive, tous. Non! J'ai fait charger! C'est pas grave, ça compte quand même! Ça compte quand même! Ah! J'ai fait... Vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Ok, apparemment, il en reste encore deux à faire. Non. Non. Vous avez pas me dire qu'on a commencé par les deux derniers? Texture est suspecte, vous trouvez pas? Bon les gens, c'est quoi qu'on a loupé? Damoclès, il était là. Il était là-bas. Ça, on l'a fait. Et il n'y a rien ici. Hitman a toujours été méchant avec moi. Thor, on l'a fait, ça j'en suis sûr.
La question c'est où se trouvent les autres. Alors, Atlas. Allez, gens, sortez vos cahiers, vos atlas, s'il vous plaît. Les gameuses. Ah, monkey! Monkey, tuez le monkey! Ah! Ah! Vous avez vu la maîtrise? C'est un 10 sur 10, hein, ça! Une clé comme ça en plein milieu, juste pour une boule. J'ai des doutes. Ça sent la fumisterie. Bah apparemment, il n'y a pas de fumisterie. Hé Pierrot. Ah, ah, mes yeux et mon âme saignent. Comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. L'homme qui sauvegardait trop. Le but c'est qu'on va devoir tout redescendre après, hein. What? Magnifique, n'est-ce pas? C'est français. Juste, ça arrive qu'à moi les bugs. À peine lancé, il a déjà tout glitché. C'est le cas qui nous manquait. Ah bah Neptune. Non. Non. Laissez-moi sortir! Allez hop, on hantise les gens. Oui!
Waouh, 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 wow, calme-toi le jeu. Oh putain, je dois aller où? Oh putain, je dois aller où? Oh. Caméra, arrête d'être bourré. Ah merde, je me suis gouré. Peut-être pas. Peut-être que si. Si, je me suis gouré. Et du coup, je crois que ça va pas jouer à ma faveur cette histoire. Des passages aquatiques dans des Deus Ex? Mais attendez, je me souviens d'un truc sur Tomb Raider 1. À mes souvenirs, fallait vraiment être en face du truc à l'époque pour pouvoir faire en sorte que Lara l'active. Ah, oh, tu voulais que je fasse un saut de l'ange? Attends, tu vas l'avoir ton saut de l'ange. Attends. D'ailleurs, vérifions un truc. J'ai tous les objets. Alors... Content ? Pfff. Duke Nukem Try to Kill. Oui, alors Duke Nukem Try to Kill était quand même très très lourd en termes de gameplay. Hein. C'était presque une purge. Hein. Je veux dire, même Tomb Raider était plus sympa. Non, j'ai pas testé le code de triche, je voulais qu'on essaye vite fait. Alors, attendez. Il me faudrait une zone plus ouverte. Mais j'utiliserai pas... pourquoi avoir choisi la VO? Je suis en VF, hein. C'est le bruit que je faisais en VF, hein. Oui, parfois elle fait no, si jamais tu te gourres quand tu veux mettre un objet. Mais même sur la version Tomb Raider 2, elle le faisait, hein, ça le... No, no, no. Elle s'en battait les couilles de ta life, hein. La caméra, un jeu dans ce jeu, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse. La caméra, vas-y, suicide-toi, t'es vraiment n'importe quoi. Non, je vous propose... Voyons. Elle vient d'où cette tenue? Elle vient pas du 3, tout au hasard? Pas mal, j'aime bien. Hello. Londres, TR3. Ok. C'est vrai que j'ai jamais fait TR3. En même temps, techniquement, j'ai jamais fait TR1 non plus. Hein. C'est la première fois que je le fais, donc... Faut croire que désormais, j'ai un penchant sadomasochiste en refaisant ces vieux jeux. Moi j'aurais plutôt dit que ça venait carrément de TR5, mais bon.
Bon, allez, mais d'où je l'ai loupé, ce saut, là? Ça m'est en string. Ah oui, d'ailleurs, à mes souvenirs, dans TR5, y a pas une histoire de Terminator, un truc dans le genre, des espèces de robots, etc. Regardez, ils m'attendent en bas, ils veulent me bouffer. Non, non, pas non, les chroniques... les chroniques de Lara. Le jeu full bug? Bah, pour l'instant, on a eu qu'un seul bug. Bouffe ça, Lyon! Bouffe mon plomb! Franchement, si vous avez 26 euros à mettre dedans, hein, c'est le moment. Ah! Ah, excuse-moi. Alors, si ça se trouve, on aura un remaster, hein, de Angel of Darkness, hein. Avec tous les contenus coupés, etc. Sauvegardons, on sait jamais qu'il y a un boss derrière. Vous vous rendez compte que ça, c'est juste le premier level, hein? Le deuxième level. Jouer à manette perso. C'est pas genre. De toute façon, ça sert à rien de jouer au clavier souris avec ce genre de jeu. Déjà, à mes souvenirs, les contrôles, je sais pas, attendez. Si je joue au clavier souris, imagine. Bah d'accord. Il veut même pas me mettre au clavier souris. Si c'est les vieux contrôles de l'époque en clavier souris, c'est dégueulasse. Voilà, je suis déjà up, down, left, right à tous les coups. Ça, c'est les. C'est les flèches. Ouais, c'est ça, c'est les flèches du clavier, c'est même pas ZQSD, quoi. Laissez-moi deviner, faut aller dans l'eau, c'est ça? Ouais, faut aller dans l'eau. Oui. Mais pas une cité d'or dans Tomb Raider 1 d'ailleurs. Il veut des bottes en peau de croco. D'ailleurs, y a pas un easter egg justement dans l'espèce de cité d'or que genre si tu touches une statue, Lara se transforme en or massif. Si. Y a une espèce de statue d'or où est-ce que tu peux interagir avec la main et si tu es... En fait, t'as une cinématique où est-ce que Lara touche la statue et elle est transformée en or. En tout cas, c'est dans le 1, ça, j'en suis sûr! Arrête de me bouffer! Ah, sérieux, foutre des animaux dans des escaliers, quoi. Oui, raisonnable, mettez un ascenseur, wesh. Et en plus, y'a rien. J'ai perdu la moitié de ma vie pour rien. S'il y en a un deuxième, là, juste là, ben, je vais péter mon plomb. Oh, putain, j'ai cru... Ok, y'a rien. Super, ça servait à rien de venir ici. Y'avait une raison existentielle à notre venue ici ou pas?
quand même... Ouah ! C'est quand même dommage que quand on passe en mode classique, il n'y a pas 60 FPS. Surtout quand t'as des logiciels comme OpenLara qui sont open source et totalement disponibles. Bon, alors, quid ? Qu'est-ce qu'on doit foutre ici ? Ok, ça marche pas. Je vois un chemin là-bas. Avec le joystick caméra, il fait pas... Non, il fait vraiment n'importe quoi. Oulala. Qu'est-ce que je dois faire, hein? Ah. D'accord. Là, ça me dit limite que je pourrais passer, mais dans le vrai jeu, il n'y a rien, en fait. Bon, du coup, on avait dit qu'on allait tester les cheats, là, vite fait. Alors, si ma mémoire est bonne... Bon, déjà, on va sauvegarder. Alors. Un petit pas en avant, un petit pas en arrière... 1, 2, 3, ça a marché. Tu vois, moi, il y avait les effets de tir. Yeah! Yeah! Oula. Tiens, le magnum, hein? Stylé ce cul, hein! Bah, de toute façon, on avait dit qu'on trichait. Attendez, du coup, bon, on va faire le test du cheat du passage de level. On va voir si lui aussi il marche. Un. Deux. Trois. Ça marche toujours. Utiliser un code de triche pour sauter un niveau. Ah, il y a même un succès pour ça! Des génies les devs de ce remastered, vraiment. Allez, on va monter le temple. Je suis Lara Croft. Il y avait rien ici. Ah si.
Moi, je propose qu'après la... Enfin, d'ici 10 minutes, on arrête TR1 et on va essayer de mettre Winston dans le frigo. Juste pour avoir le succès. Du coup, vous pensez que si jamais un jour ils nous font un remaster de TR5, est-ce que le pantalon de Lara sera un 6 trous, un 6 trous? Vous savez, pour voir à travers. Parce qu'on pouvait voir son string, hein? Si vous vous souvenez, hein? XVSK, les seuls détails dont il se souvient, c'est le fait qu'on pouvait voir la culotte de Lara dans TR5. Manque d'eau. Ouais. Ah! Je suis supposé faire quoi là? Bonsoir, Lord. Ah, sur le côté. J'ai vu de la Minas Tirith là-bas. Là, vous saviez qu'il y avait un mode pour Lara, parce qu'en gros, vu que pendant, on va dire que pendant 99% du jeu, elle parle pas, il y a un mode pour la version PC, où est-ce qu'en gros, tu peux faire en sorte qu'une IA parle à la place de Lara pendant tout le jeu, en fait. Et en gros, elle te donne des indices et tout sur comment résoudre les énigmes du 1. Elle fait des remarques et tout. Un mode backseat. Non, elle te dit pas réellement comment tout résoudre, hein, mais elle te donne des indices, genre elle dit ah ouais, il y a une porte là-haut, elle regarde là-haut, tu vois, par exemple. Oh, le français. Reviens ici, Frenchy. Merde, je sais plus comment tirer. Pierre, au secours! Ouais, casse-toi de me tirer dessus, là, c'est bon. Allez, où c'est dommage que quand le... Chaque fois qu'on le bat, entre chaque truc, c'est dommage qu'on puisse pas récupérer des munitions sur lui, ses armes. Monkey! J'ai pas la portée!
Alors que si je pouvais viser, je l'aurais. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah! Génial, la porte. T'as mon beau-fils qui l'a mis là. Bon, je propose qu'on reprenne un autre jour pour ça. On va faire une sauvegarde. Et on va aller sur TR2. On va essayer de mettre Winston dans le congélo. Bienvenue dans ma deuxième aventure. Après une année de business intense, j'ai imaginé ce petit cours de combat pour éviter de rouiller, améliorer mes techniques et en apprendre de nouvelles. Et qu'est-ce s'il y avait une touche pour se mettre à plat ventre? Pour franchir les gouffres plus larges, je dois prendre de l'élan et courir. Allez, on recommence depuis le départ. Ouais, il faudra être patient pour le choper. Pas grave, on va se faire un petit peu d'exercice vite fait. Ah merde. Ouais, pas folichon la texture des cordes quand même. Attendez, le sprint, c'est pas que dans TR5 qu'il est arrivé d'ailleurs. Mon dieu, si vous voulez battre mon record, recommencez depuis le début. On va l'attendre. Comme ça, vous voyez un petit peu aussi la demeure de Lara. N'hésitez pas à visiter le reste de la maison et les jardins. À souvenir, il y a un secret dans le labyrinthe, non? Pas la salle de bal, hein. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Vous auriez pu faire un effort à Aspire. Hein. Même ça, regardez la taille de la bouloir, là, oh là là. Je suppose que c'est pour rester dans le style, mais... Parce que regardez, là, on voit qu'ils sont totalement capables de faire des trucs plus ou moins de bonne taille. Et ouais, ça se voit qu'ils voulaient respecter le truc de l'époque, quoi. Ah, attendez, il n'y avait pas une histoire... Ah, il n'y avait pas justement... Ah, mais... Hein. C'est bon, il arrive, les gens, il arrive. Oups, pardon. Viens avec moi, Winston.
Suis-moi, Winston. Regarde-moi ces effets retracing. Oh putain, c'est dégueulasse en fait. C'est le bois qui reflète sur le haut. C'est quoi encore la méthode? Faut faire un jump arrière pour le... pour le brain, non? Je sais plus. Ah ben là, t'as l'air motivé, hein. Papy. Je me mets là. Tu vas venir, non? Il vient pas. Papy, je tape mon mur sprint. Ah, il vient de péter! On va attendre combien de temps pour le voir geler? Si, si, à mes souvenirs, il gelait, hein. J'attendais un certain moment. Vous savez quoi, on va attendre 5 minutes. On va attendre 5 minutes et on va voir s'il va geler. En tout cas, il était super blanc, un truc dans le genre. Alors, c'est peut-être moi qui avais rêvé, ou alors c'était peut-être dans un autre Tomb Raider, mais en tout cas, je me souviens qu'il y avait moyen de le faire geler. Puis, je vais vérifier sur la tête en attendant. Non, bah, tant pis, hein, ça sera de ma faute, hein. Alors, Tomb Raider, How to Freeze Winston. Je vais voir vite fait. Oh non! Ah non, c'est une fausse rumeur apparemment. Et en gros, il est marqué que, en gros, si tu quittais la maison en laissant Winston dans le congélo et que après tu partais à l'aventure, que tu terminais le jeu, apparemment il y avait moyen de le faire mourir. C'était une rumeur. Oh la tristesse! Ah la tristesse! Ah, c'est dans TR3, ça sert à fin. Que tu pouvais tirer sous Winston à balles réelles. Ah, vous savez quoi, on va voir. Hop. Et il est gelé! Je vous l'avais dit qu'il pouvait geler! Ah, mais c'est juste qu'on le voit pas dans la version PS1. Regardez, il est gelé! Je vais faire une capture d'écran. Ah non, il a dégelé, putain! Oh, c'est pas grave. De toute façon, j'ai ça au record. Alors du coup, on va regarder un dernier truc. Je vais juste voir un dernier truc et après premier, on arrête. Stylé, on voit la zone maintenant. Bah, je vais le tuer direct.
comparons avant après. Ouais, quand même mieux. Je veux voir comment elle explose. Un petit pas en avant, un petit pas en arrière, trois tours sur elle-même. J'ai réussi à faire pause. Oh non ! Oh non ! Oh non, la loose ! C'est quand elle explose avec le modèle, le nouveau modèle, c'est l'ancien modèle que pendant l'explosion. On a les mains. Oh, je suis déçu. Par contre, les nouveaux effets quand ils explosent, ça, ils sont bien HD. Hein. Mais lol, quoi.